Parce que nous avons fait un très bon score pour ce premier tour, puisqu'on est largement en tête avec près de 44%. Maintenant, la surprise de ce premier tour, c'est la différence qu'il y a justement entre le candidat Front Gauche et puis le PS. Je pensais que le PS aurait été plus devant, fait un meilleur score, et le candidat Jacques Boeuf, on peut le citer, nettement inférieur. Donc vous voyez, c'est de revenir, il y a toujours des surprises. Voilà. Donc maintenant, on travaille à rassembler le maximum de gens autour du projet que nous proposons d'Ornis pour le deuxième tour.